Alors aussi pareil, moi je ne supporte pas ceux qui, pour s'élever, essaient de faire couler les autres. Le discours de je suis le seul professeur compétent pour enseigner à des non-arabophones, je suis le seul professeur qui utilise la bonne méthode pour enseigner à des non-arabophones, ça c'est une chose que je trouve insupportable. Déjà, premièrement, il y a plein de professeurs de très grande qualité, qu'Allah les récompense tous et toutes, et qu'Allah leur accorde le paradis pour ce qu'ils font, parce qu'ils le font sincèrement pour Allah, inshallah, ta'ala. Deuxièmement, les méthodes, il y a plein de méthodes qui sont de grande qualité. Maintenant, moi, la méthode de Médine, pour moi, par rapport à mes objectifs et par rapport à ce que je veux transmettre, pour moi, elle a certains avantages. Parmi les avantages, c'est que c'est une méthode qui a été créée spécifiquement pour les non-arabophones. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est une méthode qui a été créée. Ah oui, il faut que je vous raconte pourquoi elle a été créée. Eh bien, en fait, quand on arrive à l'université islamique de Médine et qu'on ne sait ni lire, ni écrire, ni parler la langue arabe, que se passe-t-il? Eh bien, il faut apprendre la langue arabe pour ensuite rentrer en faculté. Et en faculté, on a des ulema face à nous. Moi, parmi les professeurs que j'ai eu Cheikh Abdullah Zahim, j'ai eu Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, j'ai eu des grands mashaykhs qui étaient mes professeurs. Je peux vous dire qu'ils ne vous attendent pas quand ils sont en train de parler. Donc, en fait, en 2 ans, on va apprendre la langue arabe. On arrive, pendant 2 ans, on apprend la langue arabe et des introductions dans les sciences islamiques. Après, on rentre en fac. Ça veut dire, on est sur une chaise, on a notre petite table, le professeur parle en arabe et on prend des notes. Donc en fait, la méthode de Médine a été faite pour cela. Elle a été faite pour comprendre le Coran, pour comprendre la sunna et pour comprendre la parole des ulema, c'est-à-dire des érudits de la communauté. Donc vraiment, la méthode de Médine, c'est vers cela. Néanmoins, ont été rajoutés certains éléments qui sont des éléments de la langue profane. Quand je suis malade et que je vais à l'hôpital, que vais-je faire? Que vais-je devoir dire? Si je veux aller faire des courses, que vais-je faire et que vais-je devoir dire? Tout un tas de thèmes qui sont profanes. Mais l'essence même, l'ADN de la méthode de Médine, c'est de comprendre le Coran, de comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de comprendre la parole des savants. Et c'est la raison pour laquelle très vite on commence à comprendre ce qui se dit dans la khutba. C'est pour cette raison-là que j'ai choisi cette méthode. Une autre raison aussi, c'est que j'ai eu l'honneur d'apprendre déjà l'arabe avec cette méthode. Et dès le début, chaque difficulté que je rencontrais, dès le début je me suis dit, écoute Younes, Inch'Allah, t'es à Médine, c'est pour enseigner plus tard. Donc à partir de là, il faut que toi, tu essayes d'avoir une stratégie en tête. Ma stratégie a été la suivante. Tout ce que j'ai appris en langue arabe ou dans les sciences islamiques, je me suis dit, comment pourrais-je faire pour faciliter l'apprentissage pour mes frères et sœurs? Donc dès le début, chaque fois qu'une chose n'était pas comprise par moi-même, lorsque le professeur l'enseignait, dès le début, j'ai tenu un carnet. Ça, c'est dur. Ça, je ne comprends pas. Il a donné telle image, je n'ai pas compris. Pourquoi? Ah, ensuite un frère au Masjid al-Nabawi entre le Maghreb et l'Isha, Ismail par exemple, le Camounais, Hafidhahullah, qui m'a beaucoup aidé, qu'Allah le récompense, m'a expliqué les choses comme ça. Et l'exemple qu'il a utilisé, c'est ça. Bah, tout ça, en fait, je m'en suis servi pour faire méthode Médine Plus. Ensuite, troisième élément, d'accord, au-delà de cette expérience d'avoir appris la langue arabe avec cette méthode, et bah, c'est que j'ai appris la langue arabe avec les mashaykhs qui l'ont écrit. Ouais, bon, déjà, c'est un honneur. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, de pouvoir fréquenter les gens qui ont écrit cette méthode-là. Je parle de Cheikh Abdelrahim Fa, je parle de Cheikh Najrani, par exemple, Hafidhahum Allah. Eh bien, en fait, ça nous a donné aussi cette notion de retourner à la source. Donc, pour toutes ces raisons, deux méthodes de Médine, j'ai fait méthode de Médine plus, Inch'Allah. Ouais, je pense que le plus a deux avantages. Ah, on va dire trois avantages. Le premier avantage, c'est le carnet dont je vous ai parlé. Toutes les choses qui pour moi étaient difficiles, eh bien j'ai mis ces explications. La méthode de Médine, en fait, le livre de base, il n'y a pas de méthodologie d'enseignement avec le livre. Il y a un livre qui est Kitab al-Mu'allim, mais souvent il n'est pas connu. Et la plupart des gens qui enseignent la méthode de Médine ne connaissent pas réellement les buts de la méthode de Médine, d'accord? Eh bien en fait, première des choses, j'ai fait des fiches d'explications. La personne regarde les vidéos, elle comprend ce qu'il y a. Dans les vidéos, elle comprend tous les points grammaticaux. Ensuite, cette personne-là va ouvrir son livre. Elle retombe sur le résumé de tout ce qu'il y a dans les vidéos, avec plein de fawaïd. En tout cas, on a essayé de faire des fawaïd et de rajouter des choses. La personne ensuite va lire le texte. Elle scanne le QR code. Il y a l'audio du texte. Ensuite, il y a les exercices. Ensuite, il y a le vocabulaire. Donc, toute la liste du vocabulaire qui, dans le passé, n'était pas faite. Ensuite, on a le vocabulaire grammatical. Et ensuite, on a une interrogation. Donc en fait, tout ça, c'est les plus techniques. Ça, c'est le plus, d'accord? Donc les fiches et le plus technique avec les audios, avec les corrections. Tu scannes le QR code, tu as les corrections de tous les exercices.
Et le troisième, c'est aussi le design du livre. On a essayé de travailler dessus, Inch'Allah, pour faire quelque chose qui soit agréable.